Un nouveau refus d'obtempérer malgré les injonctions de la police. Ça s'est passé à Paris vendredi soir. Les policiers ont ouvert le feu sur une voiture qui refusait de s'arrêter. Le conducteur a fini par décéder de ses blessures. C'est la 12e fois qu'une personne décède à la suite de tirs opérés par les membres de la police. On en parle aujourd'hui avec nos deux invités. Denis Jacob, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Soyez le bienvenu sur Sud Radio, tout comme Evelyne Sirmarin. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes magistrate honoraire, membre de la Ligue des droits de l'homme. Bienvenue également à vous sur Sud Radio. Vous qui nous écoutez d'ailleurs, vous pouvez aussi intervenir au 0826 300 300, que vous soyez policier par exemple ou pas. On en parle avec nos invités. Denis Jacob, revenons d'abord sur les faits de vendredi soir. Ça se passe à Paris. Plusieurs de vos collègues essayent de contrôler un individu qui est au volant d'une voiture. Il démarre brusquement, vos collègues ouvrent le feu. Il finira par mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on sait à ce stade? Vous savez, j'ai pas le détail précis de l'enquête. Vous imaginez bien qu'on est en pleine investigation et que quand bien même j'aurai des éléments, je me garderai bien de les donner médiatiquement et de manière publique plus ouverte. On a donc une enquête qui est en cours et Jean-Marie, vous connaissez la position qu'est celle de mon syndicat de ne jamais tirer des conclusions hâtives ni dans un sens ni dans l'autre. Tant qu'on n'a pas les conclusions de l'enquête. Donc je me garderai bien de tout commentaire sur cette affaire. Nos collègues ont déjà été entendus. Je rappelle qu'ils ont été placés en garde à vue parce que c'est le cadre normal du déroulé d'une enquête. Et puis ça sera à la justice de prononcer ce qu'il en est exactement dans cette affaire. Donc je reste prudent et je ne tirerai pas, en étant un peu vulgaire, des plans sur la comète s'agissant de cette affaire. Sachant que pour faire le point sur ce qui s'est passé vendredi soir, il y a précisément deux enquêtes qui ont été ouvertes. L'une pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. En d'autres termes, cette enquête-là cherche à savoir si les policiers ont abusé de la force en ouvrant le feu sur cet homme et en du coup le tuant. Et l'autre enquête, elle est ouverte pour tentative de meurtre pour personne dépositaire de l'autorité publique sur personne dépositaire de l'autorité publique. Cette enquête cherche à déterminer si l'homme qui a fini par mourir, le conducteur, a cherché à tuer les policiers en démarrant et en les visant à sa voiture. C'est la 12e personne à décéder des suites d'un tir de la police. Je le dis de la manière la plus sobre et la plus factuelle possible. La 12e personne depuis le début de l'année 2022. Vous êtes toujours avec nous, Evelyne Sirmarin, magistrate honoraire, membre de la Ligue des droits de l'homme. Il y a quelques semaines, à la suite d'un autre fait similaire à première vue à Nice, la Ligue des droits de l'homme avait dénoncé, je cite, une épidémie de refus d'obtempérer occasionnant la mort de ceux qui refusaient d'obtempérer. C'est un terme un petit peu fort. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'on observe que le nombre de morts et de blessés aussi lors de refus d'obtempérer a considérablement augmenté. On était en 2016 à 14 morts par an lors de tirs par la police et on est là l'année dernière, selon un rapport de l'IGPN, l'Inspection Générale des Services de Police, on en est à 37 lors des tirs de police et la moitié de ces morts sont dues à des, notamment, refus d'obtempérer qui ont eux aussi beaucoup augmenté. Donc, on ne va pas dire du tout les policiers sont des assassins, etc. Ce n'est pas du tout ça. C'est qu'on voit que les refus d'obtempérer augmentent beaucoup, les tirs de la police augmentent beaucoup aussi et les morts augmentent beaucoup. Alors, ce qui est intéressant par rapport à l'année dernière, deux morts lors de refus d'obtempérer, et cette année on en a déjà à 12 alors qu'on est en octobre, c'est de s'interroger pourquoi, sur la raison de savoir pourquoi ça se passe comme ça. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes là tous les deux sur Sud Radio ce matin. Oui. Est-ce que je peux développer 3 secondes pourquoi, à notre avis, c'est d'abord que il y a 800 000 personnes en France qui circulent sans assurance. C'est considérable. Et notre analyse, c'est que, si vous voulez, la crise économique, les difficultés financières, etc. Bon, bref, quand on gagne le SMIC ou moins, c'est difficile de payer une assurance de voiture. Donc, la première chose, c'est malheureusement, beaucoup de gens circulent sans assurance. Et quand ils voient des policiers, je pense qu'il y a une grande partie des refus d'obtempérer
qui sont dues aussi au fait que les gens ne veulent pas qu'on confisque leur voiture, perdre leur permis, etc. Mais il y a aussi le fait qu'il y a eu une loi sur la légitime défense en 2017 qui a élargi beaucoup les conditions dans lesquelles les policiers pouvaient tirer. Et nous, nous pensons qu'il faudrait revenir à l'application normale de la légitime défense, c'est-à-dire il faut faire une défense proportionnelle à l'attaque, tirer si vous êtes menacé de mort, c'est tout à fait normal, ou de violence grave, que ce soit concomitant au fait qu'on vous fonce dessus, par exemple, et pas poursuivre une voiture et ensuite éventuellement tirer. C'est ce qui s'est parfois passé. Et puis, il faut également que la légitime défense permette en réalité que ce soit absolument nécessaire. Si c'est comme à Nice, ça s'était passé à Nice en septembre, la personne avait commis des infractions et puis ensuite les policiers l'avaient pourchassé, là ça ne va pas. Et il y a un problème de formation des policiers. Alors on va en parler avec notre autre invité et je vais vous redonner la parole juste après. Evelyne Sirmarin, puisque je rappelle qu'on est aussi avec Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Plusieurs choses abordées par Evelyne Sirmarin, Denis Jacob. D'une part, les refus d'obtempérer qui augmenteraient. Le ministère de l'Intérieur parle de 1 toutes les 20 minutes en France. Vous confirmez déjà cette première impression ? Oui, je confirme tout à fait. Il faut savoir que depuis 1993, les refus d'obtempérer ont été multipliés par 5, que nous avons, selon les chiffres de la police et selon les chiffres d'autres, certains disent 17 000, un peu plus de 17 000 refus d'obtempérer. Côté ministère de l'Intérieur, nous affirmons qu'il y a plus de 26 000 refus d'obtempérer pour l'année 2021. Et là, Madame Sirmarin, effectivement, reconnaît elle-même cette augmentation. Là où je ne suis pas d'accord, et comme on est habitué assez régulièrement avec la LDH quand il s'agit de la police, moi je trouve que le communiqué de presse qui a été diffusé est particulièrement outrancier. Comment peut-on passer peut-on écrire une épidémie de personnes tuées? Une épidémie de personnes tuées, oui, on peut parler avec le Covid, avec 152 000 morts. Denis Jacob, on peut le regretter. Je vous propose, Denis Jacob, vous ne vous en rendez pas compte au moment où vous me parlez, ce n'est pas votre faute d'ailleurs, prenez 3 ou 4 secondes, on va vous rappeler sur le téléphone le temps d'améliorer la qualité de la liaison avec vous, parce qu'on a du mal à distinguer vos propos. On vous retrouve vraiment, je m'y engage, dans quelques secondes, le temps de vous appeler et de vous reprendre par téléphone. Une épidémie, c'était un terme ironique, volontairement ironique, sarcastique, non. On pourrait le dire, Evelyne Sirmarin, il n'y a pas une épidémie de gens tués par la police. Bien sûr que non. Mais alors pourquoi choisir un tel terme ? Non. L'épidémie, c'est non. Ce qu'on veut dire, c'est que ça a considérablement augmenté. C'est ça que ça veut dire. Et c'est un fait. 2 morts l'année dernière, 12 morts déjà en octobre, c'est un fait. Bon, après, on peut faire de la sémantique, mais c'est ça qui est intéressant, si vous voulez, c'est de se demander pourquoi il y a tellement d'accidents très graves, parce qu'il y a aussi des blessés, et souvent des passagers, et souvent des piétons aussi. Alors concrètement, ce que vous dites, en attendant de retrouver Denis Jacob le plus vite possible, je l'espère, Evelyne Sirmarin, c'est que les policiers tirent trop ? Non, on dit que les tirs sont parfois, c'est l'affaire de Nice dont on parlait tout à l'heure, il nous semble que les tirs ne sont pas toujours justifiés eu égard aux conditions légales, c'est-à-dire de la légitime défense, puisque l'idée du refus d'obtempérer et ensuite du tir possible, c'est pour arrêter le véhicule. L'article L435 du Code de la sécurité intérieure le dit bien, quand il y a une possibilité de tir, il y a plein de cas, il y a 5 cas. Un des cas, c'est lorsqu'un véhicule, évidemment, refuse de tempérer, c'est donc vrai. C'est la loi. Mais c'est pour, c'est la loi. La loi est trop. C'est la loi depuis 2017. Et la loi, à votre avis, en tout cas, et à celui de la Ligue des droits de l'homme, donne trop de marge de manœuvre aux policiers qui pourraient éventuellement faire usage de leur arme. C'est le véhicule. Voilà. C'est j'aimerais qu'on donne la parole à Denis Jacob. J'ai bien compris ce que vous disiez. J'aimerais qu'on donne la parole à Denis Jacob, qu'on a très peu entendu malgré lui et malgré vous, d'ailleurs, depuis le début de ce débat. Est-ce que vous avez trop de marge de manœuvre ? Est-ce que cette loi est trop floue ? Est-ce qu'elle permet à des policiers trop de cas de figure dans lesquels ils pourraient faire usage de leur arme, Denis Jacob ?
Non, pas du tout. Comme le disait Mme Sirmarin, cette loi de 2017 ne donne pas plus de possibilités aux policiers de tuer tel des cow-boys dans le Far West. Si tel était le cas, nous aurions eu des centaines et des centaines de personnes tuées depuis 2017 quand on voit le nombre de refus d'obtempérer qui augmente. Donc je pense qu'il faut raison garder. C'est toujours dramatique qu'il y ait des morts. Et ce que je ne peux pas laisser dire par Mme Sirmarin, c'est que ce serait des gentils citoyens qui, faute d'argent, n'auraient pas d'assurance et qui refuseraient d'obtempérer. Je rappelle quand même que dans la majorité des affaires dont on parle, je ne parle pas de celle d'hier sur le cours de Vincennes, mais par exemple, les deux exemples pris par le communiqué de presse de la LDH, l'affaire de Rennes et l'affaire de Nice, et là, ça excusez-moi, les circonstances ne le prêtent pas, mais ça me fait légèrement sourire, quand on a l'ancienne présidente du syndicat de la magistrature qui prend ces exemples-là, alors que la justice s'est prononcée sur des non-lieux, je suis un peu éberlué. Et laisser dire qu'on tuerait des honnêtes citoyens, ce n'est pas vrai, puisque la majorité des affaires où on a eu des refus d'obtempérer, ce sont des délinquants notoires, dont mes collègues ont essayé de neutraliser, dans le cadre notamment d'affaires de stupéfiants, c'est le cas à Rennes, puisque c'était dans le cadre d'une opération anti-drogue. Donc on ne peut pas laisser dire aujourd'hui que les policiers tireraient sur des gens au seul refus d'obtempérer. D'ailleurs, on n'arrête pas, on n'utilise pas notre arme sur un refus d'obtempérer. On utilise notre arme pour neutraliser une personne qui potentiellement risque d'être dangereuse pour les policiers et pour autrui, c'est-à-dire en prenant la fuite d'aller tuer des honnêtes citoyens qui sont en train d'aller et venir sur la voie publique. Et si on avait eu cette loi beaucoup plus tôt, on aurait peut-être évité le drame où notre collègue Patrice Point, en 2014, s'est fait tuer par des cambrioleurs qui, avec leur véhicule, n'ont rien trouvé de mieux que d'aller le percuter contre un mur. Donc, à un moment donné, il faut raison garder. Et vous le savez, je suis pas dogmatique en tant que représentant d'un syndicat de police. Je suis toujours prudent dans une affaire qui est toujours en cours, mais il faut pas non plus aller dire tout et n'importe quoi au prétexte qu'on considérerait que les policiers utilisent comme des fous leur arme de service. Ce n'est pas vrai. Merci à tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio. C'est un débat important sur lequel on reviendra avec vous deux dans des conditions plus propices d'ailleurs, techniques plus propices. On s'excuse pour les problèmes de liaison qui peuvent arriver. Ce sont les impondérables et les aléas du direct. Merci à vous, Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Merci à vous également, Evelyne Sirmarin, magistrate honoraire et membre de la Ligue des droits de l'homme.